Yop les petits potes, c'est vrai coup, nouvelle vidéo sur Rage 2. En fait, là je vais commencer une nouvelle série, les gars. N'hésitez pas si vous allez bien. Alors, voilà, c'est un jeu qui est gratuit sur l'Epic Game Store. J'avais déjà fini sur Play. Et puis voilà, donc on va direct commencer en mode normal. Et voilà, donc là on va laisser un petit peu les animations pour que vous voyez un petit peu le jeu. N'hésitez pas à liker, commenter, partager et surtout vous abonner, c'est ultra important. Et merci à ceux qui le feront. Et voilà. Donc là maintenant, je vous laisse un petit peu écouter le jeu et puis voilà. Désolé, mais le jeu est qu'en anglais, je peux pas le mettre en français. N'hésitez pas à me dire aussi si vous voulez que je passe les animations ou pas, parce que je peux. En gros, là, c'est la force du monde, en gros, c'est ce qu'il explique. En gros, là, on est en guerre contre des robots extraterrestres. Il reste que des gangs qu'il faudra massacrer. Alors, on aura des véhicules, des capacités spéciales, différentes armes. Et c'est lui, c'est le boss, je crois. Et lui, on le verra dans une trentaine d'épisodes, lui, là. Ah lui c'est le méchant lui. Son armée d'extraterrestres. Il a la gueule quoi. Pas mal, là on va devoir se battre contre ça. Hein. La première fois que j'observe l'animation en premier en fait, en entier genre. L'occasion de découvrir un peu les animations. Comme moi je l'ai déjà fini le jeu, du coup, forcément. Pas ouf quoi. Je vous spoil quoi, je sais comment les battre. Mais... Bon, allez, on va choisir quoi. Allez, hop. Lily, the closest thing I ever had to family. We grew up here in Vineland, raised by her drill sergeant of a mother. Me, I'm an orphan. Bon là on va pour là le premier épisode les gars je vous dis ça va être long parce que il y a beaucoup de animations comme ça là. Ok. On va voir les autres.
messing with Ranger gear. But it's still got a lot of Jersey in it. Yeah, but it's our only shot. On va dire que je vais juste récupérer le gant qui va me permettre de, d'avoir les capés. De tout le jeu, donc c'est pas mal. Et là, j'ai la fameuse AR. Après les gars, vous pouvez personnaliser. Je le dis. Des coups de cross aussi qui sont pas mal. One shot. Attends, faut que j'aille. Je sais, parce que moi, quand je fais ce test, c'est plus. Après, c'est ce que je voulais pas changer, là, je pouvais changer. Changer. Du coup, je trouve ce que c'est. Oh, c'est pas les petits endroits là. Ah, ouais, il fait le fameux focus. En fait, je peux voir mes. Les... En fait, je vais pouvoir améliorer ça. Mais... Je vais économiser un peu mes balles parce que. Pas mais pas le quiz. Pas beau. C'est un peu shit. Dinguerie. Parce que là en fait on est sur, je crois il me semble, on est sur 10 mètres là. Là j'ai l'overdrive. Alors l'overdrive en gros c'est je prends juste des dégâts et je fais plus de dégâts. Plus ennemis. Comme ça, et j'ai une meilleure visée aussi. Ouh, genre. Gage, yeah, je vous ai. Gage. Yeah. Le petit point. Aïe 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 aïe. Et donc là, Marias en gros. Super. Faut plus sur S, un peu relou ça, mais c'est ça. Alors, moi, non, faut que j'aille. Vous êtes le truc le plus long, les gars, vous allez pas comprendre. Vraiment, vous allez rien comprendre, c'est trop. Je transpire. Là. Voilà, dedans le champ. Bon, après, les gars, je vous dis, on va avoir une voiture après. Hein. Que là marcher comme ça tout le long parce que là on va avoir des missions à faire à plus de 2000, à plus de 4000 mètres à pied, ça va être très long. En voiture en vrai ça va, c'est en fait il y a plein d'autres étapes avant le viens de moi Johnny.
On go attendre. About Ranger Unit Sergeant Erwina Prowley. Processing. Security protocol override. Ok. Ah oui, c'est vrai qu'il faut que j'écoute sa merde là. Ok, maintenant. Là, c'est mon premier pouvoir, les gars. Alors les gars, le focus en gros, au début ça va servir à tout simplement bah, ouvrir ça, les arcs. Les arcs c'est ce qui va me donner des pouvoirs, vous allez voir. Là ça me donne mon premier pouvoir. Yep, ça. Donc là c'est ce qui va me donner mon premier pouvoir, donc là je vais atterrir dans un camp d'entraînement. Pour m'entraîner, le dash, en gros le dash c'est ce qui permet d'esquiver, c'est... Non. Salle d'entraînement, c'est pas mal ça, une salle d'entraînement les gars, qu'est-ce que vous en pensez? Dans les champs, ah. Ouais, voilà, les dash c'est ça, regardez, hop, là je mets TP. Une espèce de TP en gros pour esquiver. Voilà, après on va avoir un bot avec un lance roquette et on devra esquiver avec le dash. Bon, mais c'est ça. Là au passage pour tous les joueurs qui voudraient y jouer d'ailleurs, simplement en fait le dash c'est genre ultra pratique, ouais, typiquement pour éviter ça. Donc là au début c'est un peu chiant, le truc d'entraînement en général c'est toujours, je pense que une autre qui est trop. Il faisait bien le dash hein, parce que vous pouvez l'esquiver sans le dash, regardez. Je vais vous montrer que je peux l'esquiver sans le dash. Je vais esquiver sans le dash, mais ça va pas compter. En fait, il faut le faire 3 fois et il faut le... Là non, on se donne une petite voix pour dire qu'il faut le faire encore une fois avec le dash. Là, c'est bon. Là, mon truc d'entraînement, normalement, il est terminé. Voilà. Après, double saut encore, c'est un peu chiant. Ok, voilà. Donc, le tutoriel dash est terminé. Il me semble il y a une dizaine de capacités, il y a 8 armes je crois. Et sur chaque capacité chacun faudra aller dans un arc. Comme ça. Ok, donc là maintenant on va écouter son baragouinage là. Vous pouvez faire tous personnaliser vos touches. Moi j'ai les touches à ça. Allez vas-y, blablabla. F, F, F. Là, je vous jure que sinon c'est... Ça va me donner, je crois, il me semble 4 ou 5. En une demi-heure, en fait. Le café, maintenant. Il y a un nombre de quêtes qu'on a, ça. Vous kiffez le jeu les gars. Oh, le début c'est tellement chiant, tous les jeux en général c'est chiant, enfin, sauf les Battle Royale, mais les jeux comme ça c'est chiant au début. Là faut que j'aille voir la militaire là au tout début. Je me passe une bagnole. On a le dash mais... On peut utiliser mon dash quoi. Mon focus. Hop, talc. Hop. Ok, bon. Alors là. Allez. Hop, déjà, on va acheter ça. Alors là, c'est acheter la voiture. En gros, là, ici, les gars, c'est le menu. Donc là, Waypoint, c'est arme. Nanotrite, c'est des trucs spéciaux pour avoir des capacités. Project, c'est là où il y aura un peu toutes les missions. Les véhicules, c'est les véhicules, la logique, quoi. Log, en gros, là c'est. Non, c'est là où il y a toutes les quêtes, excusez-moi. Et Project, c'est en gros, tu vas pouvoir améliorer tes personnages pour avoir des capacités. Ok, bon, allez, go.
On skip. Ok, donc là il y a des, il y a évidemment des symboles sur la map. Et go. On a le boost, évidemment. Hop, on a, on peut évidemment tirer. Là, on peut faire des petits dashs sur le techo là. Ça peut être pas mal ça aussi. Allez, hop. Bon, ouais. Là, il y a des, comme je vous disais, on a des quêtes qui sont à perpète. Donc là, on va aller à celle de 3000. Avant, on va évidemment trouver un arc. Donc d'abord, on a un premier barrage. Donc le barrage, en gros, faut juste le, tous les violets dedans. Et personne. Voilà, ça, c'est les fameux gangs qui restent. Je vais tourner. Hop. Alors. Là, je peux tourner, je pourrais déjà passer, mais ça sert à rien parce qu'en fait, là, il y a des caisses à récupérer. Donc, juste, d'abord, je les bute tous. Ils font pas chier. Alors, ça, on peut les casser, ça faut donner un coup de crosse. Hop. Là, on va donner des coups de crosse. Là, on peut récupérer un petit peu de là. Alors, les caisses que je vous parlais, les gars, c'est ça. Hop, voilà, ça, c'est qui nous va nous améliorer. Là. Juste des grenades que je vais. Voilà. Oh. Alors une fois que vous aurez tué tous les ennemis, il y aura une espèce de petit badge pour vous le dire. Personne là? Non, il n'y a plus personne. Donc y a... En fait là, regardez en haut là où il y a des points. Ça vous dit, c'est encore des gens, c'est un petit point rouge. Et là, vous là, cassez un petit peu ça. Ça c'est obligé de le prendre. Et là, allez, il y a une autre caisse. Oh, allez. Ah, l'autre caisse. Là ou quoi? Non, elle est pas là. Attendez, je vais la trouver la caisse. Oh, il y a... ouais, elle est là, ouais, elle est là. Et vu. Hop. Faites gaffe de pas tomber parce que dans le vide on meurt. Ah, et voilà, regardez. Là, on a ça. Donc, c'est à dire, j'ai tout récupéré. Là, je peux me barrer. Hop. Hop go. Fuyez pauvre fou. Ou là regardez, là on a le fameux signe que je vous parlais, le signe, enfin, celui que je suis. Et on va devoir aller là pour avoir notre prochaine capacité spéciale, c'est le double jump. Les gars, vous pouvez pas tester. Ah non, c'est un animateur, ok. Après. Bah non, t'inquiète. Comme ça je vous montre. Alors un annihilateur, ça c'est bien de les détruire. Ça vous permet d'avoir pas mal de récompenses. Regardez. C'est ce truc là. Et faut tirer dans le bleu. De base il attaque. Ouais. Prends ça. Bon, allez, là on a pas de chance qu'on soit sur un niveau 3. Il y a 10 niveaux. Bon, le niveau 10 vous les aurez pas tout de suite, vous inquiétez pas. Hop, voilà. Donc là vous avez détruit la moitié de sa vie. On est sur une queue niveau 3, donc du coup forcément elle a que 2 vies. Ouais, c'est vrai qu'il y a les petits trucs. En haut, comme ça. Yes. Je suis un petit peu débuté, j'ai c'est que niveau 3 c'est pas autant de dégâts. Bah, parce que tout à l'heure quand j'ai recommencé, je suis sur un truc niveau 1, on va commencer, c'est pas grave. Il y a aucun problème. Et... Nickel, je veux que tu fais ça et... C'est un peu chiant à détruire surtout niveau 3 parce que ça utilise beaucoup de balles et les balles, bon ça c'est pas dur à trouver, j'abuse un peu. Ouais. Là, faut l'esquiver celui-là. Bon, ça fait mal sinon. On va tirer. J'ai oublié. C'est bon pour l'instant. Hop. Esquiver. Et là, normalement, on aura le temps de le buter avant qu'elle attaque. C'est sûr. Et voilà.
Donc là on a détruit et là on a trois caisses à aller chercher. Alors les caisses, je pense qu'elles sont dissimulées. Alors des fois en fait c'est... Des fois elles sont ici là, sur ici là, là où je vise. Des fois elles sont juste en haut, mais bon là j'ai pas de double. Et des fois, dans ces endroits qui sont un peu chiants, bah faut aller fouiller. Aux alentours, donc je peux essayer de focus des fois. Bah go les trouver, parce que les caisses c'est ultra important les gars, faut absolument pas sous-estimer une caisse. C'est important. Après, en fait le problème c'est que une fois que t'as fini tous les endroits, pour vraiment terminer le jeu, faudra revenir dans tous les endroits où t'as pas récupéré toutes les caisses, donc je voulais faire maintenant. Je donne un petit conseil les gars, c'est conseil d'amis. Alors là, qu'est-ce qu'on a de beau? Alors, est-ce que sur ce toit, on a une caisse sur ce toit les gars, allez hop, vous la voyez. Là on a pas de caisse donc on va y aller. Hop. Et nickel, donc là on a une caisse déjà de fait. On a des balles. Regardez s'il n'y a pas... Voilà. Alors est-ce qu'ils ont pu les mettre les caisses? Alors là est-ce qu'on pourrait trouver une petite caisse? Là je pense qu'il y a moyen qu'il y ait une caisse là. Non. Ah, là on en a trouvé une je crois. Pas d'échelle. Regardez où il y a une échelle parce que là je suis quasiment sûr qu'il y a une caisse. Ok bon. Là on croit là qu'il faut entrer. Ah nickel, alors là est-ce qu'il y a une caisse? Quasiment sûr. Il n'y a pas de caisse niveau. C'est pour trop où elles sont les caisses. C'est caché en bas. Oh, c'est trop chiant les moments comme ça où t'arrives pas à trouver des caisses. Ah. C'est les dégâts de fuite, c'est ça. Pas de caisse en haut. J'arrive pas à les trouver. Essayez. Allez, je... Là j'ai trouvé la première caisse. Et y'a pas de caisse. Là normalement il peut y avoir une caisse là, là, là ou juste derrière là. Tout à l'heure il y avait une caisse là. C'est logique. Il y en a une là. On va voir si j'ai raison. Alors, ils sont peut-être là. Hop, nickel. Alors, est-ce qu'on a... Je suis quasiment... Ça, c'est sûr à 100%. Il n'y a pas... Je jure, il n'y en a pas. C'est vraiment qu'il y en avait une. Moi, il y en a toujours une. Oh, c'est moi qui suis tellement aveugle, je les ai pas vu. Le truc, c'est ultra important à récupérer, c'est les balles, les dynamites, etc. 100%. Pas les dynamites. Ah, ça j'ai ça, je... Et voilà. Bon là il y avait juste plein de murs, d'accord. Bien vérifier dans les conteneurs aussi. Caché là il y en a une là. Tiens, il y en a une là. Ah, d'accord, j'ai peut-être éliminé l'autorité mais j'en ai trouvé qu'un. Ouais, on va devoir vraiment chercher. Que ce soit là, parce qu'après le mur, là, c'est plus le continent de l'autorité. Là, on va juste faire le tour pour l'instant, l'état des lieux, et c'est... T'as des lieux les gars. Là, y en a pas, on a dit. J'ai dû en looping, vous avez vu. Pas possible. Hein, pas parce que j'ai déjà joué et que je connais toutes les caisses. Hein. Là, y en a pas. Est-ce que là. Ah, alors, lui. Hop, il meurt. Alors des fois il y a des gants qui viennent tout faire chier mais ça c'est un petit détail ici.
Rien, quoi. Alors là, il y a personne. Je veux dire qu'il n'y a pas de caisse là. Ah, je sais où il y en a une. Je sais où il y en a une. Je suis trop. Ah oui, je suis trop. Non mais les gars, je sais où il y en a une en fait. Il y en a une là. Merde, deux vies. La voiture. On va aller sur la route, les gars. Si on est sur la route, je suis sûr à 1000%. Et moi je en plus j'ai pris mauvais chemin, c'est trop cool. Enfin c'est trop moyen. Ah ok, j'ai trop moyen. Déjà c'est j'ai pas le double saut. Comment elle est là déjà? Là je suis allé. La fameuse route là qui va nous emmener à la caisse. Voilà. Voilà les gars, laissons-la de caisse. Vous pouvez pas, elles étaient là. Ok, bon, c'est bon, on a fini. C'est pas grave, pour quelques dégâts chutes les gars. Bon, un petit peu flou pendant quelques zooms, mais c'est normal. Ah oui, au passage, pour réparer la voiture, uniquement et uniquement, j'ai bien dit, uniquement la voiture que j'ai là, on peut, il faut tout simplement utiliser le focus, les gars. Bon, allez, on va aller chercher la capacité SP, parce que ça va me saouler sinon. Enfin, capacité. Voilà, c'est ce chemin que j'ai emprunté tout à l'heure. Salut. C'est là. J'ai tourné en rond, mais je suis en loin. Oh putain. Ça passe. Ouais, je vois sûr. Un petit coup. Je vais pas détruire les barrières. Bon. C'est là l'arc. Je suis pas allé sur le bon chemin, faut aller là. Ne quittez pas les gars, je suis cascadeur pro. Ok, bon là, go tous les fumer. Alors, toi déjà, tu dégages. Qui a osé me tirer dessus là? Bon, regardez. Dégage. Ah là là. Aveugle. T'as cru que t'étais qui toi? Montez là maintenant, ce qui est. D'ailleurs, dites-vous là les gars, tout à l'heure, j'ai pas trouvé toutes les caisses. À la hauteur pour j'ai trouvé là il y en a plein. Bon, je fais les états des lieux en même temps les gars, comme ça. Dégage. Dégage. Ouvrir. Toi tu dégages. Il y en a une là, hop. Les gars, moi je fais tout en même temps parce que comme ça au moins c'est moins chiant à faire. Après les 6, ça me donnerait pour un laser. Donc il faut que je m'entouffe. Ah, d'accord. Là c'est vrai. Là, alors, je prends une grenade. Alors, gars, là toi tu te dégages. Alors la grenade, alors ça c'était vraiment pas cool la grenade. Hein.
Alors, les boucliers, alors les boucliers, regardez comme ça, faudrait juste un coup de crosse et bon là j'avais déjà bien endommagé mais ça tue le bouclier. Ah bon. Alors qu'avec la avec la. Est-ce que avec la. Alors qu'avec la R là. Enfin, je reprends trop. Ah, mais ouais, il y avait une caisse là. Je l'ai vu. Ah, bon. On verra après. Il n'y a plus d'ennemis là, je crois. Alors là, c'est le fameux. Non, ça, c'est les coffres à arc. En gros, c'est ultra important de les prendre. C'est ce qui a donné de la nanotrite en fait. Et ça permet de upgrade des choses. Ok, sans. Faut perdre. Ça, c'est l'entrée. Donc là, faut que j'aille comme ça. Et la caisse, elle est là. Oh, j'ai pas la loupé. Et putain, la voiture, elle m'a bloqué. Ça c'est bueno, on en a 4. Il y en a la 5ème, je sais où elle est. La 6ème, non. Il faudrait que je la trouve. Ah, mais il est là. Ah, c'est pas le même. Tout à l'heure, je suis pas sur le même alors. Alors là, c'est peut-être pas le double jump qu'on va voir du coup. Ça. Là, j'étais sur un autre. C'est ça que c'est pas mal. Alors là, qu'est-ce qu'on va voir comme capacité, les gars? Ou peut-être arme. Hein. Inject. Ok, alors attention, qu'est-ce que c'est? Shatter, c'est... En fait, faut que je regarde où il y en a. Ah, il y en a. C'est lui que je crois. Je suis en difficulté 3. Ouais, c'est lui. Bon, après, on ira faire les deux autres, les gars. Et après, on terminera cet épisode. Alors, attends. Et... Ok. Ah, en fait c'est pas pratique mais... Donc je l'ai changé après les touches parce que là je peux pas utiliser ça. Et puis en fait je suis obligé d'appuyer sur ma... mais j'ai 12 touches sur ma souris et je voulais appuyer sur ma souris. C'est un peu chiant. Il y en a d'autres ou pas? Ok, nickel, bon, carré. On éteint l'entraînement, les gars. C'est pas trop mal, ça. Hop, nickel. Ok, alors attendez, maintenant faut trouver la dernière caisse, les gars. Et la last caisse, c'est. Évidemment qu'elles sont ici. Bon, moi j'ai deviné direct, donc du coup ça me permet d'y aller. Et là, ouais, je peux me permettre de descendre comme ça. Et chute, c'est pas dramatique. Voilà, c'est bon. Donc, sinon, là, on va... les gars, voilà, je vous explique, on va trouver un véhicule qui va traîner. On va en acheter un, puis on va en acheter un, les gars. Ça va être plus simple, parce que sinon j'ai un peu la flemme. Ouais, voilà, nickel. On est up. On attaque. Il est là. Pas dans la bonne direction, je crois. Aucune idée d'où je dois aller là. Là, si on est là, faudrait que je coupe là et c'est tout à fait tout. Ok. Un tour. Moi, c'est dur une éternité. Les autres boosts, sur les autres voitures, les gars, le boost, il dure. Et pour l'instant... Après, elle a dit... Attends. Attendez, attendez. Là, il fallait que je tourne là, je crois. Là, je suis... Ah, est-ce que c'est...
je vois pas le. Ah bah non, c'est celle juste. Je vérifie si c'est pas celle-là. Normalement oui, mais je suis juste pr j'ai préféré vérifier. Ok, et ensuite là faudrait que je tourne la droite. C'est bon. Et on va aller hop. Ah, et là c'est bon. Ok. Et bon là c'est bon, là on le voit maintenant. Et vite. Voilà. Et on n'a pas peur du vide. Ça peut être un peu débile. Ouais, c'était bien mieux. Enfin, nickel. Là, on est à l'arc niveau 5, évidemment. Évidemment, je te tire sur un coup. Merdeuse. J'en ai. Putain, j'en avais pas, mais j'ai pas de truc de fusion. Bon, au moins, ce qui est bien, c'est que là, on a réussi à aller au à l'arc. Et du coup, bah voilà, ça me fait. Là. Attendez. C'est ce qu'il faut. Il y a que des boucliers. Lance une. Attends, je vais. Des gens. Oh, tu peux mourir. Et... On récupère les boîtes après, parce que comme c'est en niveau 5 là, oh, attends. C'est quoi? Tout d'accord, ça c'est important de le prendre. On est encore en là, encore en haut. Le dice serait quand même cool, quoi. Bien, challenge, je l'ai pas tué, mais c'est simple. Ah, bah, quand même. Ils sont tous morts là, attends. Juste vérifie. Ah, ils sont tous morts. C'est bien ici, attends. Ah ouais, je suis mort. Je saute du coup. Là. Je sais pas s'il y a des coffres, on va voir. De toute façon, dès qu'on aura récupéré ça, on pourra voir si. Mais d'après moi. Hop. Alors est-ce que ça serait bien c'est pour une arme? Ok. Arme, c'est cool ça. Et défibrillation. Ah yes! C'est cool. En gros quand tu meurs, bah tu peux te lève. Oh. Avant totalement d'arriver. Les gars, avant d'affronter le boss, je vous conseille. Prenez tous les arcs, toutes les trucs. Tout seront utiles, tout. Et bon bah c'est juste ça. Là on va me tuer forcément. Je l'assure, tu vois. Ah, comment on fait? Comment on fait les gars? Attendez, je sais qu'on me répète en fait. Je save two times. Deux fois au final. Ça va de me tuer là. Je sais pas les gars ce que je vais faire. Je vous jure, je sais pas. Attendez, les gars, on va aller voir mes touches. Non, attendez.
Pas tout débris là, chier. Ah, défi up, ok. Up. Attendez. Gauche, c'est là. Up. Down, c'est ça. Droite. Et le gang, ça. Up. Ah, là on peut revenir. Ok, d'accord. Ça va encore me buter, c'est ça? Ah, super. Ça débarre dans le jeu. Nickel, 30%. Ah bon, d'accord. Bon, ok, nickel. J'ai juste pas mis tout, c'est pour ça que je pouvais pas savoir. Ok, les gars, on va, je pense, trouver les caisses. Ah, bah y'en a pas. Y'en a pas, très bien, y'en a pas. Je crois qu'il y en a pas parce que sinon on est-ce qu'on a terminé? On va savoir tout de suite si on a terminé, les gars. Ouais, on a terminé. Item, non, il y en a pas. Ok, bon, très bien. Ok, bon, bah on a fini du coup le cache-in complète. Donc... on va aller juste récupérer les petits items vite fait. Hop, clairement pas obligé. Hein. Mais bon, c'est toujours bien de les récupérer. Voilà tous. C'est quoi les gars? C'est quoi? C'est quoi? C'est quoi? Je vais mourir, c'est ça? Ah. Voilà, on a fini. Bon les gars, on va s'arrêter ici, on se retrouve la semaine prochaine les gars pour l'épisode 2. Et à la semaine prochaine les gars, c'est Breakou, abonnez-vous et ciao.